Bonjour à tous, nous voici en décembre et il faudra bien se couvrir ce week-end en Vendée, mais à partir de lundi, retour de la pluie accompagnée de vent, ce qui engendre bien une remontée des températures. Attention à confirmer, mais un nouveau coup de vent est attendu en fin de semaine prochaine. En attendant, on regarde la carte de ce samedi 2 décembre. En matinée, le soleil va briller sur l'ensemble du département. Les températures vont donc baisser avec le retour des gelées dans les terres. Le mercure va avoisiner les 0 à moins 1 degré. C'est légèrement plus doux le long du littoral, 1 degré et comptez 4 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, eh bien, pas de grand changement côté ciel. Le beau temps se poursuit, le tout sous des températures toujours fraîches. On attend 5 degrés à Montaigu ou encore Fontenelle-Comte, 6 degrés pour la Roche-sur-Yon et la Tranche-sur-Mer, 9 à Noirmoutier ainsi que sur l'Île-Dieu. Qu'en est-il des prévisions des 3 prochains jours? Eh bien, dimanche, nouvelle journée rythmée par les averses, elles resteront faibles. Le vent se renforce avec des pointes à 55 km/h et le mercure est compris entre 2 et 13 degrés. Lundi, eh bien, le temps se gâte. Le département sera bien arrosé avec un bon coup de vent prévu dans le courant de l'après-midi. Des rafales sont à noter avec des pointes à 70 km/h et les températures affichent une moyenne de 5 à 12 degrés. Enfin, mardi, le ciel se dégage de nouveau. Il partage moments ensoleillés et moments plus nuageux. Le vent reste une fois encore sensible. Rafales 65 km/h. Quant au mercure, comptez 6 degrés minimum au réveil et 11 pour les maximales. Revenons à notre samedi 2 décembre. Très belle fête à toutes les Vivianes. Le soleil nous accompagne de 8h30 jusqu'à 17h19. La mer s'annonce belle avec des coefficients de 59 et 54. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour notamment le dernier point météo de la semaine.